Welcome everybody. We're just waiting a little bit for. Bienvenue à tous. Nous attendons un peu le temps que tout le monde accède à la salle. Et nous sommes très heureux que vous soyez tous là aujourd'hui pour ce webinaire. As you come in, au fur et à mesure que vous arrivez, essayez de voir au bas de votre écran le choix de langue que vous avez pour suivre la traduction. Vous avez le français ou l'anglais. Donc, veillez à faire le choix de langue pour pouvoir suivre la rencontre. Et cela vous permettra de suivre en anglais ou en français. Thank you everyone for joining us today. We see more people. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous. Donc, en accédant à la salle, faites en sorte de choisir votre langue et vous aurez la possibilité de suivre votre rencontre. Et je suis Christian et je suis le responsable de l'engagement des parties prenantes et je serai le facilitateur du webinaire aujourd'hui et je vais donner la parole aux responsables qui vont nous permettre de suivre cette rencontre aujourd'hui. Great. So without further delay, sans plus tarder, donc, comme je le disais, choisissez votre langue, soit le français, soit l'anglais, et également, nous allons faire en sorte de répondre à toutes les questions à la fin du webinaire. Donc, vous avez la fenêtre de discussion pour mentionner vos questions. Et dans la mesure du possible, nous allons faire en sorte de répondre à la majeure partie des questions. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole au directeur général, M. Kevin Perkins, pour son mot de bienvenue. Merci, Christian. Bienvenue à tous et à tous à ce webinaire qui est organisé par RRI. C'est l'occasion pour nous de partager pour vous et de pouvoir entendre des nouvelles de certains Africains et Canadiens ces temps-ci par rapport au programme ayant trait aux solutions fondées sur la nature qui font partie du partenariat du Canada pour le programme sur le climat. Donc, cela fait partie d'un processus de réconciliation qui a cours dans ce pays. Et nous sommes ouverts aux rencontres qui visent à reconnaître la contribution et l'appartenance des peuples autochtones par rapport aux terres dans lesquelles, sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, depuis Ottawa, je vis sur des territoires qui appartiennent à ces peuples autochtones-là. Et donc, je vous invite à réfléchir humblement sur ces question foncière également. Donc, c'est un privilège pour moi d'accueillir Mme Myriam Morat, la directrice générale des partenariats pour la croissance économique durable d'affaires mondiales Canada, pour qu'elle puisse nous accueillir ici avec quelques mots de bienvenue. Mme Morat est responsable exécutive du public service
et elle a vraiment 19 ans d'expérience dans l'administration des politiques publiques. Et elle a travaillé, par exemple, à l'UNESCO, dans la Commission des droits de la personne à Industrie Canada. Et également, elle est une grande militante des droits de la personne. Donc, je vous donne la parole, Madame Myriam. J'aimerais également vraiment vous remercier de m'accueillir aujourd'hui et vraiment de faire part de notre souligner notre reconnaissance par rapport au fait que nous sommes des occupants des territoires des peuples autochtones. Donc, les connaissances indigènes autochtones et également jouent un rôle essentiel, surtout si nous voulons vraiment régler et faire face aux défis auxquels sont confrontés le monde actuellement et en particulier en ce qui a trait aux solutions fondées sur la nature. Donc, RRI est une des organisations canadiennes qui joue un rôle de plus en plus important dans la compréhension et surtout en ce qui a trait à la capacité des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Étant donné que ce financement de projet du RRI provient d'un engagement du climat pour le financement des solutions pour la lutte contre le changement climatique, je voudrais profiter de cette occasion pour dire un mot là-dessus. En 2021, le Canada a annoncé qu'il doublait son financement en ce qui a trait aux engagements climatiques. Donc, en reconnaissant l'interdépendance du changement climatique et de la biodiversité, le Canada a également s'est engagé également à contribuer pour $1 milliard pour les financements climatiques pour faire en sorte qu'il y ait un appui positif et surtout au niveau des pays en développement en ce qui a trait à leurs actions climatiques pour faire en sorte que cela également ait des avantages connexes pour la biodiversité. Donc, il y a $315 millions qui ont été alloués pour le financement de projets provenant des organisations de la société civile, d'organisations au Canada, mais également en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions du monde. Donc, 15 millions de ces 315 millions seront alloués dans le cadre de partenariats avec les peuples autochtones pour le climat. Donc, également, cela vise à engager, à encourager des partenariats entre les autochtones pour faire en sorte de renforcer la résilience climatique des peuples autochtones dans les pays en développement. Affaires mondiales Canada a conçu cette composante de partenariat pour le climat, surtout avec les organisations autochtones nationales. Donc, les 300 millions restants visent surtout à être sont destinés à l'Afrique subsaharienne. En outre de ces programmes, le partenariat pour le climat inclut également un engagement à s'engager plus pour le partage des connaissances. Cela implique les solutions climatiques fondées sur la nature, également la biodiversité ou la pratique, la communauté de pratique. Donc, également, donc, Radio Rurale, en tant que membre de partenariat et de coalition pour la lutte contre le changement climatique, va en bénéficier. L'objectif de cette communauté de pratique vise vraiment à partager les leçons apprises en temps réel dans le cadre des activités de ce type de partenariat. Si nous sommes intéressés à joindre cette communauté de pratique, donc vous pouvez être en contact avec Kerry Max, qui fait partie de mon équipe. Nous espérons que ces engagements et ces partages de vos connaissances nous aideront à renseigner les actions climatiques en cours, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays en développement, et à renforcer nos connaissances et nos capacités en tant qu'organisation au Canada. Nous sommes contents de faire partie de ce webinaire aujourd'hui. Et en 2021, par exemple, avant même le lancement de ce partenariat pour le climat, nous avons réalisé qu'il était nécessaire pour nous de nous consacrer à ce type de projet-là, et ce, en faisant trois choses. Premièrement,
nous devrions expliquer et promouvoir la nature, les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, également essayer de recueillir des évidences par rapport aux besoins, aux défis et aux possibilités pour les communautés rurales, mais également voir comment accroître l'intérêt et l'engagement des Canadiens par rapport à ces solutions qui sont proposées pour l'adaptation au changement climatique, surtout dans les pays en développement. Donc, tout cela nous a conduit à vraiment l'élaboration de ce projet de solution fondée sur la nature, et ce, en ayant des dialogues à l'antenne. Donc, une des caractéristiques très intéressantes de ce projet sont les dialogues à l'antenne, où les populations rurales seront invitées à partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs perspectives. Donc, deux de ce type de dialogues ont déjà été menés en Éthiopie et au Burkina Faso. Et comme vous le voyez, les populations rurales en Afrique sont déjà très disposées à faire entendre leur voix et à partager leurs idées par rapport à la façon de s'adapter au changement climatique et à protéger la biodiversité. En même temps, il est très important que les Canadiens soient conscients et apportent leur soutien aux efforts pour le partenariat en matière de climat en Afrique, au regard des défis nationaux et internationaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Ce serait surprenant que certains Canadiens soutiennent ces solutions qui proviennent d'Afrique, mais nous devons faire en sorte que cela soit un intérêt pour eux, parce que c'est la raison pour laquelle RRI s'est engagé à réaliser un sondage d'opinion pour répondre à ces questions-là, pour voir comment nous pouvons intéresser le public canadien. Et je voudrais vous remercier tous ceux de nous impliquer dans cet engagement de votre niveau. Merci infiniment. Merci beaucoup, Myriam, pour ces mots et ces aperçus, cet aperçu que vous nous donnez de votre part. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Radio Rurale Internationale, nous sommes une organisation qui travaille vraiment à promouvoir la justice en matière de communication, et ce, par le biais de stations de radio en Afrique, et ce, grâce à des émissions radiophoniques interactives. Nous faisons cela grâce à la technologie mobile pour permettre aux femmes, aux hommes et aux jeunes et dans les communautés rurales de recevoir, de partager et de vraiment interagir dans le cadre de partage d'informations qui peuvent les aider à atteindre les objectifs en matière de développement. À cet effet, nous travaillons avec 1300 stations de radio dans 37 pays et nous travaillons directement avec ces stations de radio dans le but de mettre en œuvre des projets de développement, surtout dans le domaine de la communication. Et à cet effet, nous avons des projets dont celui-ci, par exemple. Et à cet effet, par exemple, l'équipe d'affaires mondiales Canada qui travaille surtout pour le partenariat dans le cadre du programme de climat, a été le premier avec lequel nous avons travaillé surtout pour l'élaboration du projet actuel, dans le but de voir dans quelle mesure les pays, les six pays cibles dans lesquels le projet solution fondée sur la nature sera réalisé. Et à cet effet, nous avons essayé de lancer une analyse situationnelle dans six pays cibles et surtout auprès de 66 communautés dans ces six pays-là pour recueillir les opinions par rapport à ces solutions fondées sur la nature-là. Et parce que dans ce cadre-là, qu'en tant qu'organisation, nous allons voir comment en tant qu'organisation, nous pouvons les appuyer. Et à cet effet, nous avons, pour ces analyses situationnelles-là, effectué un sondage du public et également il y a un sondage du public au Canada qui a été réalisé pour recueillir les informations. Donc, je vais donc, permettez-moi d'introduire, de présenter Charles Ta, qui est le responsable du projet
Et il va nous parler un peu de l'analyse situationnelle, comment cela s'est passé et quelles sont certaines perceptions que nous avons pu recueillir de ces analyses situationnelles-là. Donc, je passe la parole à Monsieur Charles. Merci infiniment, Kevin. Comme l'a mentionné Kevin, ces analyses situationnelles ont été effectuées dans 6 pays et pour le projet à l'antenne pour des solutions fondées sur la nature inclusive du genre. Et ces pays sont le Burkina Faso, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, la Zambie, l'Ouganda. Ce que nous avons vu dans ces analyses-là, nous l'avons fait dans 66 communautés, dans 21 régions cibles. Et surtout, il y a eu dans des analyses situationnelles nationales dans les 6 pays et dans des analyses situationnelles communautaires. Et cette approche a été utilisée pour permettre de donner plus de contexte et plus de perception. Pourquoi avons-nous réalisé ces analyses-là? La première chose, c'est que nous avons voulu vraiment faire en sorte de produire des émissions consacrées aux problèmes, aux expériences ou aux besoins spécifiques des pays en matière de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Mais cela devrait également nous permettre de fournir des informations préliminaires pour l'évaluation des changements qui se produiront durant le projet, mais également veiller à établir des contacts avec les États, les acteurs, et ce, à travers une cartographie des parties prenantes et des synergies potentielles. Mais nous devrions également, avec ces analyses-là, favoriser une meilleure compréhension du cadre institutionnel et environnemental des possibilités de lacunes. Quelle est la méthodologie qui a été utilisée pour l'analyse situationnelle nationale? Nous avons, par exemple, procédé à la conception d'outils et de processus de collecte de données pour cette analyse-là. Par la suite, nous avons effectué une étude documentaire qui a été suivie d'une analyse, d'une interview d'informateurs clés. Mais auparavant, avec l'étude documentaire, cela nous a permis d'établir un état des lieux de tout ce qui avait été peut-être réalisé dans le pays pour voir, par exemple, s'il y avait des politiques, des plans qui avaient été déjà élaborés dans les différents pays. Et nous avons, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec les informateurs clés, nous avons fait tout cela. Et tous ces résultats ont été présentés aux groupes consultatifs nationaux pour obtenir leur validation. Par la suite, des rapports pays ont été rédigés et des synthèses des principales conclusions ont été effectuées. En ce qui a trait à l'analyse communautaire, dans ce cadre de cette analyse situationnelle, 66 communautés ont été ciblées dans 21 régions distinctes des 6 pays ciblés. Donc, des discussions de groupe ont été réalisées, des interviews d'informateurs clés, des observations ont été réalisées dans les communautés ciblées. Les perceptions ont été recueillies lors de ces analyses situationnelles communautaires-là. La première a été que pour la majeure partie des gens, par exemple, la solution fondée sur la nature équivaut, par exemple, à l'agroécologie ou la conservation de la nature. Nous avons vu alors que c'est la compréhension générale que la majeure partie des personnes ont.
Donc, cela nous démontre qu'il y a un manque de connaissances en ce qui a trait à la définition des solutions fondées sur la nature et en quoi cela est différent ou ce qu'elles peuvent inclure. Et donc, nous devrions, par exemple, jouer le rôle de leader en matière de solutions fondées sur la nature et être vraiment des partenaires avec l'UICN et le Fonds mondial pour la nature pour combler ce manque de connaissances-là. Donc, comment donc pouvons-nous utiliser le standard de l'UICN pour orienter notre travail, surtout auprès des communautés? C'est la réflexion que nous devrions mener. Pour la perception, la deuxième perception que nous avons pu recueillir, c'est que dans plusieurs pays ou ces communautés, c'est que les gens se disent que les solutions elles-mêmes sont menacées par le changement climatique. Donc, par exemple, les initiatives de reforestation sont menacées par les sécheresses. Mais à cet effet, même si plusieurs initiatives sont menées pour prévenir les problèmes de changement climatique, il est nécessaire donc pour le projet, par exemple, que nous allons mener sur les solutions fondées sur la nature, nous devons plaider pour que des mesures d'atténuation soient mises en place pour vraiment travailler à réduire les gaz à effet de serre, par exemple. Pour la troisième perception, nous sommes aperçus que les solutions fondées sur la nature ne sont pas bien intégrées dans les principales politiques ou les lois, les stratégies relatives au changement climatique. Les politiques, par exemple, en ce qui a trait au changement climatique ou à l'économie verte, ont été récemment actualisées, peut-être. Il faudrait travailler à une meilleure structuration et faire en sorte que ces politiques soient de nature plus politique. Il faut également veiller à un meilleur suivi de ces politiques-là et une meilleure exécution à un certain niveau. Mais pour ce qui est de l'aspect de l'environnement naturel, ces politiques ne sont pas toujours très. Elles n'en font pas souvent très cas. Donc, pour ce qui a trait également souvent à certains pays, les politiques sur l'environnement, la conservation, la biodiversité et les ressources naturelles sont obsolètes, entre autres. Nous avons une quatrième perception où nous sommes aperçus que les communautés rurales d'Afrique subsaharienne sont très conscientes et adoptent déjà des mesures positives pour la nature. Et cela est très intéressant. Voyons que ces communautés tirent parti et amplifient des solutions communautaires. Elles contribuent même à la mobilisation de ce type de solutions-là. Donc, pour la cinquième perception, les actions communautaires relatives aux solutions fondées sur la nature sont restreintes par des compromis importants, apparents et réels, par exemple. Qu'est-ce que nous voulons dire par cela? En fait, il y a des éléments qui expliquent cette perception-là. Il y a entre autres le coût élevé, par exemple, du fumier composté, le coût de la main-d'œuvre à utiliser la cendre pour éloigner les organismes nuisibles, l'utilisation des résidus de culture. Donc, il y a également, par exemple, il faut tenir compte des coûts de substitution, mais également ce qui a trait aux décisions par rapport aux mesures
incitative pour réduire les coûts de substitution, notamment pour les femmes et les jeunes. Pour la perception 6, un constat a été fait selon lequel plusieurs options qui permettent de générer des revenus non agricoles favorisent la dégradation de l'environnement. Il y a par exemple la production du charbon de bois qui occupe une part énorme. Il y a l'extraction du sable ou la pêche au poison. Et également, nous avons constaté que les solutions fondées sur la nature communautaire inclusive devraient inclure des moyens de subsistance non agricole favorables à la nature. Thank you. So what also came out was that cost. Une autre perception, c'est que les dispositifs de gouvernance traditionnels pour la gestion des ressources naturelles peuvent être améliorés ou compromettre, peuvent améliorer ou compromettre les solutions fondées sur la nature. Les dispositifs traditionnels peuvent limiter la participation des femmes. Quelles sont les possibilités d'engagement des institutions coutumières dans une perspective de genre ou de transformation? Mais nous savons que la gouvernance dans ces institutions n'est pas toujours équitable. Et surtout, elle ne favorise pas la participation des femmes dans les prises de décision. Donc, comment nous pouvons faire en sorte que les femmes soient plus prises en compte dans les prises de décision à l'échelle coutumière ou traditionnelle. Donc, pour l'utilisation des analyses situationnelles comme outil de planification, je pense que ces analyses-là peuvent nous aider à identifier des politiques qui pourront être vulgarisées dans le cadre des émissions radiophoniques, mais également promouvoir les investissements, les textes législatifs, mais également elles pourraient contribuer au partage du savoir en ce qui a trait aux meilleures politiques ou pratiques d'un pays à l'autre par le biais d'émissions radiophoniques et de partage de savoir. Donc, merci beaucoup. Voici ce que j'avais à partager par rapport aux analyses situationnelles qui ont été réalisées. Merci beaucoup, Charles, pour le partage sur les perceptions en ce qui a trait aux analyses situationnelles menées dans les 6 pays. Et nous allons continuer à les examiner et surtout à voir l'avis des différents groupes consultatifs nationaux pour avoir leurs commentaires. Donc, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Madame Andrea Bambara, la représentante pays du Burkina Faso, et également Benjamin Nama, qui est le chargé des métiers radiophoniques. Ils sont très impliqués dans le processus de dialogue à l'antenne au Burkina Faso et surtout par rapport au travail qui a été fait sur les analyses situationnelles. Donc, je vous donne la parole, Madame Andrea Bambara. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je pense que nous allons parler du dialogue à l'antenne et surtout nous allons faire ressortir les résultats globaux, c'est-à-dire les résultats en lien avec ce que l'Éthiopie a fait et ce que le Burkina a fait. Donc, je vais de ce pas expliquer en quoi consiste le dialogue à l'antenne. Slide, s'il vous plaît. Le dialogue à l'antenne, comme son nom le dit, c'est un dialogue. Et comme on le dit, c'est une discussion entre les populations
et les radios. Et nous avons dit ici que on utilise les émissions radiophoniques et on associe les outils d'interaction avec l'auditoire, les outils d'interaction comme le téléphone mobile, mais à travers la plateforme que nous appelons Uliza. Comme son nom le dit, c'est demander. Et cela permet d'explorer, de rentrer en profondeur au sein d'un sujet afin de recueillir des expériences du milieu dans lequel ces communautés vivent. Et en même temps qu'avoir l'expérience, et comme on appelle ça, du milieu aussi des personnes qui constituent cet auditoire-là. Et comment cela se fait? C'est-à-dire que ces personnes vont appeler le système Uliza, qui est la plateforme dont je vous parlais tantôt, à partir de leur téléphone portable. Et ensuite, ils vont écouter les simples messages vocaux qui sont déjà dans l'émission. Et ensuite, ils vont répondre à des questions à choix multiples. C'est-à-dire que la radio propose la plateforme propose des questions à choix multiples. Et il s'agira à ces auditeurs-là de répondre à ces questions et ensuite aussi d'enregistrer des messages vocaux en réponse à des questions ouvertes. Et maintenant, je pense qu'on peut aller de l'avant. C'est comme ça que cela fonctionne, avec le dialogue à l'antenne. Comme je le dis, c'est une approche qui permet aux auditeurs et aux communautés, aux membres de la communauté de discuter. Maintenant, en termes de données quantitatives, que pouvons-nous retenir? Nous avons travaillé donc au niveau de deux pays, c'est-à-dire le Burkina Faso et l'Éthiopie. Et ces deux pays ont utilisé 7 stations radio et 4 stations radio au Burkina et 3 stations radio en Éthiopie. Et chaque radio, avait comme mission de réaliser 3 dialogues. Trois dialogues par radio au niveau de ces 7 dialogues. Donc, vous voyez le nombre que ça donne. Et 5 langues locales ont été utilisées pour les dialogues. Et à ce niveau, nous pouvons dire que 14 356 personnes ont appelé. Et cela se compose comme suit. Au niveau du Burkina, il y a 5905 qui ont appelé. Et au niveau de l'Éthiopie, il y a 8451 personnes qui ont appelé. Et ensuite, il y a aussi eu les réponses dans les sondages. À ce niveau, nous avons recensé 122529 réponses. Et nous avons aussi eu les commentaires sonores. Et les commentaires sonores, là, c'est ce qu'on a pu enregistrer à partir des commentaires des uns et des autres. Et à ce niveau, c'était 9317 commentaires sonores qui ont été enregistrés. Et à ce niveau, ça c'est au niveau des commentaires sonores, nous avons recensé 30% de femmes, 70% d'hommes et 52% de jeunes. Donc voilà comment ça s'est passé en termes de données quantitatives. Voilà ce qui ressort comme élément en nombre. Allons-y. On peut aller de l'avant. Voilà. Je pense que cette slide-là, c'est juste les résultats que je vous ai fait ressortir tout de suite. Et pour les gens qui sont intéressés à aller regarder les résultats, il suffira d'aller cliquer sur le lien et vous avez les résultats que vous voyez en bas, en vert, 2, 7, 21, 14 000 et quelques, ainsi de suite. Donc, on peut aller de l'avant, s'il vous plaît. Bon, et maintenant, nous allons passer maintenant ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce que nous avons entendu au niveau des communautés rurales, puisque c'est ça surtout qui nous intéresse, et c'est avec ces communautés-là que nous allons travailler et que nous travaillons. Et ce que nous avons retenu sur les communautés rurales et en lien avec le changement, c'est quoi? C'est-à-dire que plus de 90% ont remarqué effectivement des changements. Et ces changements, ils les ont notés au niveau soit du calendrier et de la durée de la saison pluvieuse. Ils les ont remarqués aussi au niveau du volume de précipitation, c'est-à-dire en comparaison avec les années passées. Et on les a notés aussi au niveau de la fréquence des crues
au niveau de la température moyenne, au niveau des types et quantités de nourriture qui sont disponibles. Donc, vous voyez que les changements ont été notés au niveau de ces éléments-ci que je viens de citer. Et le deuxième point aussi, c'est qu'on s'est rendu compte par rapport à l'intervention des communautés que 52% en Éthiopie et 72% au Burkina affirment qu'il est plus difficile de cultiver. Il est plus difficile de cultiver à cause des changements climatiques. Soit le sol est devenu très dur, il n'y a pas suffisamment d'eau, et quand on commence à cultiver, vous savez qu'avant, à partir du mois de mai, pour ce qui est du cas du Burkina, les gens commençaient déjà à cultiver le sol et à semer, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce qu'on sème dès la première pluie, avec les changements, personne ne maîtrise quoi que ce soit, et les semences sont en train de sécher dans les trous, il faut tout recommencer. Donc ça, ce sont des changements qui ont été constatés en lien avec le climat. Maintenant, comment est-ce que les communautés rurales s'adaptent? Au niveau de l'adaptation, nous dirons que plus de 90% ont affirmé qu'elles s'adaptent. Et comment elles s'adaptent? En cultivant des plantes et des arbres indigènes, en adaptant des méthodes qui leur permettent de trouver et de conserver de l'eau. Je sais qu'au niveau du Burkina, il y avait le zaï. Voilà, il y avait les pierres caillouteuses aussi que les gens plaçaient pour retenir l'eau. Et c'était ça parce que le Burkina est un pays désertique. Donc, il y a ces méthodes-là qui sont toujours là. Et il y a aussi comme adaptation et des mesures, comment on appelle ça, des mesures pour prévenir les catastrophes naturelles. Nous pouvons aussi dire qu'au niveau de la collaboration avec... collaborant pour améliorer l'agriculture pour tout le pays. Donc ça, c'est une collaboration aussi dont il faut faire mention. Tout ça, ce sont des points d'adaptation parce que les gens ne peuvent pas croiser les mains et attendre que le miracle vienne. Donc chacun essaie de trouver des solutions pour s'en sortir. Maintenant, nous allons passer à ce point. Ce que nous avons entendu sur l'impact de la biodiversité. À ce niveau, il faut retenir ceci. 60% des répondants observent une diminution de la diversité des plantes, des animaux, des oiseaux et des insectes. Il y a même des plantes qui ont disparu. Il y a même des oiseaux qu'on ne voit pas et des insectes aussi qu'on ne voit pas. Donc, voilà déjà l'impact de la biodiversité. Et nous avons aussi 96% des participants et des participantes des deux pays sont d'avis qu'il était important de prendre des mesures pour protéger la biodiversité. Sinon, on va se retrouver un jour et il n'y a plus rien. Et ensuite, nous avons aussi remarqué comme impact, enfin, pas comme impact, c'est-à-dire les meilleures approches pour protéger la biodiversité ont été proposées plutôt par les communautés, à savoir les points suivants, promouvoir et encourager des pratiques agricoles et d'élevage plus respectueuses de la nature. Là, il y a 41 à 49 personnes qui ont fait ressortir cela. Il y a aussi une autre approche que les communautés ont proposée, c'est-à-dire c'est donner les moyens aux agriculteurs et aux agricultrices de gagner un revenu en protégeant et en restaurant la biodiversité. Là, il y a 29 à 38% de personnes qui ont proposé cette approche-là. Maintenant, en termes de priorité, d'information. Qu'est-ce qui est conseillé? On pense que la priorité aussi, c'est de donner des avis météorologiques. Parce qu'effectivement, si par exemple au niveau des services de la météo, on arrive à donner des informations qui peuvent guider les populations, ça déjà, il faut le faire assez rapidement pour permettre aux populations, en tout cas, de s'adapter et de pouvoir faire les choses en son temps, au bon temps. Il y a aussi qu'il faut, en termes d'information, la priorité, c'est les cultures et les animaux capables de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Parce que tout le monde, toutes les cultures ne supportent pas le climat qui est le climat du moment. Donc, il y a des animaux qui peuvent ne pas supporter une très grande chaleur et qui meurent. Il y a, par exemple, vous voyez que quand il ne pleut pas
on voit que les semences et tout et meurent, alors qu'il y a des plantes qui demandent, des cultures qui demandent moins d'eau. Donc, voilà, par exemple, des informations qu'on peut diffuser. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Et maintenant, et je pense que ça, c'est au niveau des communautés. Mais il y a aussi des messages que les communautés ont donnés à l'adresse des gouvernements. Parce que les communautés travaillent avec les gouvernements. Nous savons que nous avons des ministères, et nous avons des ministères techniques tels que l'agriculture, tels que l'élevage, l'environnement, etc., etc. Et à ce niveau, on recommande que, et au niveau des gouvernements, qu'on améliore l'approvisionnement en eau par l'irrigation. Là, 38 à 41% des personnes ont fait cette proposition. Et que, et au niveau du gouvernement aussi, le message est de protéger aussi et mener recherche intelligente face au pour que le gouvernement puisse mettre l'accent fort sur ces points qui ont été énumérés. Maintenant, et nous avons aussi regardé au niveau de la différence entre en fonction la différence en fonction des. Et les opinions ne sont pas aussi les mêmes en fonction du sexe et de l'âge. Donc, nous avons remarqué que plus de 4 300 femmes et 7 460 jeunes ont participé. Et là, et pour les femmes, 4 300 femmes, c'est plutôt aussi. Oui. OK, il y a des coupures à votre niveau. OK. C'est rapide? Non, j'ai l'impression que vous avez des soucis de connexion, mais c'est bon. Ah oui, la connexion était instable à un moment donné. OK, c'est bon. OK. Donc, vous avez pu suivre au niveau de la différence en fonction des sexes? Oui, allez-y. Oui. D'accord. Donc, je continue à ce niveau maintenant. Nous avons la majorité des réponses en fonction du sexe et de l'âge. Bien sûr, la majorité des réponses différaient légèrement. J'ai perdu. Voilà. OK. Donc, sauf que, bon, donc, différait légèrement en fonction du sexe et de l'âge. Sauf que les femmes de plus de 30 ans avaient plus tendance à dire qu'il est plus difficile de cultiver maintenant, qu'elles essayaient de trouver un autre moyen de subsistance et que leur principale priorité était de trouver des avis météorologiques et d'investir dans l'irrigation. Donc, voilà ce qui est ressorti pour comme message adressé au gouvernement. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le résumé global de ce qui est ressorti à travers le dialogue à l'antenne et pour le Burkina Faso et pour l'Éthiopie. Voilà. Donc, je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Is that complete, your presentation on the... Est-ce que vous avez terminé votre présentation sur le dialogue à l'antenne, Andrea? Maintenant, et la deuxième partie, il s'agira de l'expérience étude de cas du Burkina que Benjamin va présenter. Merci beaucoup, Madame Bambara. Thank you. Voilà, je m'en vais donc vous présenter le Burkina Faso comme une étude de cas. Et comme Madame Bambara l'a si bien dit, pour le premier dialogue à l'antenne, il y a eu deux pays, l'Éthiopie et notre pays. Nous allons donc vous présenter quelques résultats que nous avions obtenus. Nous allons commencer par le contexte diapo. Le prochain slide, s'il vous plaît.
Merci. Alors, pour ce qui est de cette première série du dialogue à l'antenne, nous avions travaillé avec trois régions principalement. La première région, c'était la région du Sud-Ouest avec une superficie de 16 576 km² qui représente environ 6,1% du territoire national, avec une population qui est estimée à 874 030 habitants selon les statistiques de 2019. La seconde région est celle de la boucle du Monde, qui est d'ailleurs la plus grande, avec une superficie de 34 497 km² et qui représente environ 12% du territoire national. Et sa population est estimée à 1 898 000 habitants. Et la dernière région est celle des Hauts-Bassins, avec 25 479 km² en termes de superficie, ce qui représente environ 9,4% du territoire national, avec une population estimée à 2 238 000 habitants selon les statistiques de 2019. Alors, on peut donc dire que ce projet a été mis en œuvre dans pratiquement 27,5% du territoire national et ces trois régions constituent plus ou moins la zone agricole au niveau de notre pays. Diapo. Voilà, et pour ce qui est des radios qui ont été engagées pour la mise en œuvre de cette programmation radiophonique, nous en avons quatre. Au niveau de la région du Sud-Ouest, on a une radio, c'est la radio Gawa, qui a une couverture assez large, une couverture régionale. Au niveau de la boucle du Monde, qui est la région la plus grande, comme nous l'avions annoncé, on a retenu deux radios. Il s'agit de la radio Salaki et la radio Voix des Balais. Et la dernière radio qui a été mobilisée, c'est la radio Bobo, au niveau de la région des Hauts-Bassins. Et l'ensemble de ces quatre radios présentait un bassin d'écoute de près d'1 800 000 auditeurs potentiels. Diapo. En termes de résultats, pour ce qui est du Burkina, nous avons pu réaliser avec nos radios partenaires 12 émissions, soit 3 émissions par radio. Et nous avons enregistré 44 596 interactions avec des réponses au sondage qui s'élèvent à 5 905. Et la prévision pour ce qui est des interactions, elle était de 2 880. Et quand nous prenons les réponses au sondage, nous avons pratiquement 3 005 adultes et 2 900 jeunes, ce qui voudrait dire que les jeunes représentent plus ou moins 49% des répondants au sondage qui a permis, bien sûr, de recenser les avis et les préoccupations des communautés à la base. Diapo. À présent, nous allons vous présenter les constats qui ont été faits par les communautés, d'autant plus que c'est un sondage qui a été fait. Cela a donné l'occasion, bien sûr, aux communautés de pouvoir nous dire qu'est-ce qu'ils ont constaté au niveau, bien sûr, de leur communauté. Il y a, dans un premier temps, la mauvaise répartition des pluies dans le temps. Je pense que Mme Bambara a donné quelques précisions là-dessus. Alors, deuxièmement, il y a la dégradation des sols et des forêts qui rendent bien sûr l'activité agricole beaucoup plus difficile. Il y a que de nos jours,
les semences traditionnelles qui sont beaucoup plus inadaptées et il y a également l'impact de l'élevage au niveau de l'environnement, d'autant plus que les gens continuent de faire l'élevage comme avant, sans tenir compte, bien sûr, de tout ce qu'il y a eu comme changement. Et l'insuffisance aussi des moyens de production constitue un constat que les communautés ont pu relever. Et l'autre élément, ce sont les différentes pénuries, que ce soit pour les eaux de surface ou encore les denrées alimentaires, ce sont des constats qui ont été relevés par les communautés. Diapo. À présent, quels sont les thèmes probables sur lesquels, bien sûr, les communautés souhaitent que nous puissions revenir? Diapo. Et il faut dire que ces thèmes se dégagent sur la base, bien sûr, des constats qui ont été faits. Il y a dans un premier temps les bonnes pratiques de sauvegarde et de protection de l'environnement. Non seulement il faut sauvegarder le peu qui est là et travailler à le protéger. La restauration des sols, Madame Bambara l'a tantôt abordé, c'est également une thématique qui est très importante et qui permettra d'améliorer la production agricole. La vulgarisation des semences améliorées, d'autant plus que les services techniques ont pu travailler avec les techniciens, ils ont mis au point des semences améliorées. Il s'agira maintenant de les vulgariser pour permettre aux producteurs de savoir quelles sont les semences qui sont adaptées au sol que nous retrouvons dans ces différentes régions. Il y a également l'élevage et la protection de l'environnement, d'autant plus que l'élevage ne se fait plus comme il le faut. Il va falloir que l'élevage soit fait en tenant compte, bien sûr, de l'environnement. Et le dernier point, c'est la mécanisation de l'agriculture protectrice de l'environnement. C'est aussi voir comment est-ce qu'on peut penser effectivement à la mécanisation de l'agriculture, mais sans pour autant porter préjudice à l'environnement qui constitue un maillon très important pour permettre d'atteindre des résultats intéressants en matière d'agriculture. Diapo. Alors, ensuite, on a l'accès et l'utilisation des données agro-météorologiques par les agriculteurs et agricultrices. C'est très important de nos jours. Comme on est en train de parler de changement climatique, il va falloir que les agriculteurs aient accès non seulement aux données agro-météorologiques, mais qu'ils puissent aussi les utiliser pour planifier et mettre en œuvre les activités culturales. Il y a aussi les cultures de contre-saison, d'autant plus qu'on est en train de parler de pénurie d'eau et qu'il faut véritablement travailler sur la question des eaux de surface. C'est pour permettre, bien sûr, de faire ces cultures de saison, qui vont compenser les déficits qui ont été enregistrés pendant la saison hivernale. Il y a également la question de la subvention des intrants agricoles, d'autant plus qu'il en faut beaucoup plus actuellement qu'avant, et les agriculteurs n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir faire face aux différentes factures. Et l'idée ici, c'est, comme Madame Bambara aussi l'avait signifié, c'est de voir comment les gouvernants peuvent travailler à faciliter la subvention de ces intrants pour que les agriculteurs et agricultrices puissent les avoir et produire. Il y a également la question de la gestion des catastrophes en termes de prévention et si les catastrophes surviennent, comment est-ce qu'il faut les gérer parce que de plus en plus, nous faisons face à des cas d'inondation. Il y a également des vents violents qui détruisent les cultures. Il va falloir travailler également sur ces aspects. Et le dernier élément, c'est l'agroforesterie, qui permettra bien sûr de faire aussi bien l'élevage ou l'agriculture sur un terrain où on a déjà des arbres. Donc cette combinaison peut donner des résultats assez intéressants et c'est aussi une préoccupation que les
communauté à la base souhaiterait qu'on puisse prendre en compte, même si cette approche n'est pas encore bien connue et bien ancrée au niveau de notre pays, le Burkina Faso. Diapo. Voilà, je pense que c'est l'essentiel des résultats. Je laisse là une image de femmes qui sont assez curieuses de découvrir l'approche de RRI et qui sont pleines d'espoir. Et nous pensons que nos approches vont continuer de nourrir l'espoir de ces femmes et bien sûr aux côtés des hommes pour que la sécurité alimentaire soit de mise. Merci. Good. Merci beaucoup, Andrea and Benjamin. Merci beaucoup, Andrea et Benjamin, pour votre partage des expériences et des perspectives, surtout par rapport aux expériences les uns et les autres veulent partager, apporter à l'attention des gouvernements et des décideurs. Et je pense que l'expérience de l'Éthiopie et du Burkina Faso peut nous donner déjà une idée de l'approche que nous pouvons avoir auprès. Et donc, je crois que avec le choix multiple que vous avez eu, et dont vous nous avez parlé, Andrea, également, je crois que les résultats présentés par Benjamin, donc, nous démontrent, nous parlent d'eux-mêmes, de tout ce qui est réalisable et de tous les besoins que nous avons sur le terrain et de ce que nous pouvons apprendre des populations lorsque nous leur permettons de parler. Donc, pour continuer, nous allons, malheureusement, nous devrions avoir Sarimé pour nous parler d'un autre point, mais malheureusement, elle n'est pas là. Et nous allons donc donner la parole à Christian Robillard, qui est le responsable de l'engagement des parties prenantes. Et donc, il va nous parler d'un sondage qui a été réalisé auprès du public canadien. Est-ce que vous voulez nous parler de cela un peu aujourd'hui? Donc, en fait, c'était Tara qui devait nous parler de cela, mais elle n'est pas là. Donc, ça aurait été une bonne chose que Tara soit là pour le faire. Une grande part de ce projet, c'est de voir comment nous pouvons vraiment amener les Canadiens à s'impliquer dans les solutions fondées sur la nature. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de ce que nous avons pu recueillir sur le terrain ici. Donc, nous avons essayé de mener un sondage assez détaillé. Nous avons, dans ce cadre-là, pu recueillir un échantillon aléatoire de 1500 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Ce sondage a été réalisé du 19 au 24 août. Et nous l'avons pondéré en fonction des données du recensement récent pour faire en sorte que l'échantillon corresponde à la population canadienne selon l'âge, le sexe et le niveau d'instruction. Et cela est, les résultats présentés sont considérés comme exacts. Donc, il y a quelques éléments dont nous allons parler. Donc, le premier, c'est que pensent les Canadiens et les Canadiennes? Mais premièrement, qu'est-ce qui préoccupe les Canadiens et les Canadiennes par rapport à ce qui se passe dans le monde? Donc, comme vous le voyez, il y a quelques éléments. Donc, par exemple, si nous prenons le changement climatique, c'est une question qui préoccupe vraiment les Canadiens. Et l'autre élément qui, par exemple, qui intéresse moins
les Canadiens ou qui les concerne vraiment plus, c'est l'inégalité des genres. Mais comme vous le voyez, pour les Canadiens, le changement climatique est une question très préoccupante. Donc, dans le cadre du sondage réalisé, si nous prenons, par exemple, les membres de groupes qui ont été interviewés, vous pourrez voir qui sont les personnes qui sont très préoccupées en fonction du sexe, de l'âge. Et cela va refléter la proportion des réponses que nous avons obtenues. Et cela en fonction également des régions dans lesquelles ces personnes se trouvent. S'il s'agit, par exemple, de personnes qui se trouvent en Colombie-Britannique ou ailleurs. En ce qui a trait aux préoccupations concernant les répercussions du changement climatique en Afrique, donc, par exemple, pour tous ceux qui sont extrêmement préoccupés en vert, il y en a 16%. Pour ceux qui sont très concernés, il y en a 32%. Pour les personnes qui sont quelque peu concernées, il y en a 34%. Et pour ceux qui ne sont pas du tout concernés, il y en a 17%. Un autre élément que nous devrions, sur lequel nous devrions porter notre attention, c'est de voir quels sont les éléments que les Canadiens connaissent déjà. Quel est leur degré de familiarité? Par exemple, en ce qui a trait aux répercussions du changement climatique en Afrique. Et, par exemple, nous sommes partis du fait que certainement les gens savent déjà que c'est un problème. Donc, par exemple, 38% des Canadiens et des Canadiennes ont une idée des répercussions du changement climatique en Afrique, mais il y a seulement 6% qui sont très familiers avec cela. Et, par exemple, 23% ont une idée des pratiques d'adaptation au changement. Et cela nécessite une certaine sensibilisation au niveau du public canadien. Par rapport à leur familiarité avec le concept et le terme de solution fondée sur la nature, vous voyez encore ici le graphique. Et les couleurs vous démontrent quel est le degré de familiarité des Canadiens et des Canadiennes par rapport à ce concept et à ce terme-là. Donc, il y a un certain retard par rapport à ce qui devrait être le cas. Comme vous le voyez ici aussi, par rapport à ceux qui sont en accord avec les déclarations relatives aux solutions fondées sur la nature, 90% sont d'accord que les solutions fondées sur la nature sont une composante essentielle des solutions au changement climatique en Afrique. 90% sont d'accord que ces solutions-là sont une solution responsable. 89% sont d'accord que celle-ci constitue une approche holistique des solutions au changement climatique pour régler d'autres problèmes sociaux comme l'inégalité des genres et l'inclusion sociale. And something that we were curious about was. Nous avons été curieux de savoir également ce que les Canadiens et les Canadiennes font déjà par rapport à toutes ces questions-là. Nous avons posé la question de savoir si les gens étaient déjà impliqués dans les solutions fondées sur la nature, par exemple.
Donc, vous voyez encore les graphiques avec les couleurs, surtout en ce qui a trait à ce qui se passe en Afrique. Également, je pense que tout cela nous amène à dire que l'auto-éducation et les dons constituent des principaux moyens pour amener les uns et les autres à s'impliquer dans les solutions fondées sur la nature. Si nous allons déjà avec l'intention d'aider et d'amener les gens à apprendre par eux-mêmes et en nous les encourageant à faire des dons, je pense que cela peut constituer des moyens à s'impliquer davantage en tout ce qui a trait à l'utilisation de ce type de solutions-là. Nous avons essayé de voir également quelle est la pensée des Canadiens par rapport au rôle que devrait jouer le Canada. Lorsqu'il s'agit d'aider les communautés à s'adapter au changement climatique dans le monde, 55% des personnes interrogées veulent que le Canada fasse sa juste part, mais pas plus que les autres pays. Donc, mais 33% veulent que le Canada soit un leader mondial en matière de résolution des problèmes des changements climatiques. Donc, je pense que cela nous démontre qu'il y a tout de même un appétit, un intérêt de la part des Canadiens à ce niveau-là. Lorsqu'il s'agit d'aider les communautés à s'adapter au changement climatique, qu'est-ce que les Canadiens veulent que le Canada fasse? Les jeunes ont surtout répondu. Et 49% souhaitent que le Canada soit un leader mondial en matière de résolution des problèmes de changement climatique. Et à ce niveau, il y en a 38% qui sont des diplômés universitaires et 37% qui étaient des parents d'enfants de moins de 18 ans, qui étaient du même avis. 39% de gens mènent régulièrement des réflexions et des discussions en ce qui a trait au développement international. Et ils partagent le même sentiment. Et pour eux, le Canada doit jouer un rôle de leader dans le monde en ce qui a trait à la résolution des problèmes de changement climatique. D'autres points spécifiques par rapport au rôle du Canada dans la résolution de ce problème de changement climatique. 47% sont concentrés sur les deux. Et par exemple, 14% mettent le focus sur les solutions dans les autres pays. 30% mettent le focus sur les solutions au Canada. En ce qui a trait à la responsabilité du Canada d'appuyer l'action mondiale contre le changement climatique, notamment dans les pays à faible revenu, vous voyez encore la réaction des Canadiens. Donc, il y a, comme on le voit, un intérêt vraiment probant par rapport à ce devoir du Canada d'appuyer ces efforts-là. Et comme vous le voyez, 67% encouragent les efforts du Canada visant à soutenir les pays africains qui utilisent des solutions fondées sur la nature. Donc, les uns et les autres sont disposés à ce que le pays, le Canada, puisse soutenir les pays africains par rapport à l'utilisation des solutions fondées sur la nature. Donc, qu'est-ce que nous avons appris et qu'est-ce que les Canadiens peuvent apprendre des communautés africaines? Donc, 83% pensent que le gouvernement canadien peut apprendre des communautés africaines par rapport à l'utilisation de la nature, de la mise à profit de la nature pour lutter contre le changement climatique. Seulement 4% sont en désaccord avec cela et 83% pensent que les Canadiens et les Canadiens peuvent même apprendre
des communautés africaines. Seulement 5% sont en désaccord avec cela. En résumé, ce que nous voyons donc, au-delà des groupes motivés, c'est que beaucoup sont tout de même disposés à ce que le Canada puisse s'impliquer vraiment dans l'utilisation de solutions fondées sur la nature. Donc, et beaucoup sont prêts à prendre d'eux-mêmes de ces solutions-là. Également à s'engager, s'impliquer dans les activités communautaires. Donc, merci pour votre écoute. Et s'il y a des questions, et donc je vous donne la parole pour résumer. Merci infiniment, Christian. C'était très intéressant de voir ces résultats que vous avez pu obtenir de ce sondage. Et je crois que cela nous démontre l'intérêt ou l'appétit que les Canadiens ont par rapport à ces solutions fondées sur la nature là. Et il y a quelque chose à apprendre ou un profit à tirer en apprenant des autres. Donc, cela met fin à nos trois présentations qui ont eu trait aux recherches qui ont été menées sur le terrain. Donc, je pense que nous allons passer à la séance de questions et réponses. Et ces questions vont nous permettre d'approfondir les recherches qui ont déjà commencé. Et cela également nous permet de reconnaître le rôle de tout ce qui se passe sur le terrain ailleurs, mais également au Canada. Également, l'importance de la biodiversité, également l'implication des différentes parties prenantes, aussi bien au Canada qu'en Afrique. Il est également important que nous puissions retenir que des actions sont menées au niveau individuel, mais également au niveau des gouvernements et de voir quels sont les différents impacts que ces actions menées ont. Je sais que dans le cadre de ces activités-là, Radio Rural va découvrir beaucoup de choses toujours. Et surtout, nous allons voir comment nous réunir encore pour pouvoir partager ce que nous allons apprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, essayons d'aller au niveau des questions pour voir comment nous allons répondre aux questions que nous avons dans la fenêtre. Donc, je vous redonne la parole, Christian. Donc, vous pouvez utiliser l'onglet pour les questions-réponses. Nous allons pouvoir partager l'enregistrement du webinaire après. S'il y a des questions qui ont été posées dans la fenêtre de discussion, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Peut-être qu'à un moment donné, Charles, Benjamin, vous pourrez intervenir. Il y a une question qui est revenue. Nous avons demandé aux pays de nous donner, par exemple, pour les jeunes, l'âge pour les jeunes. Quelle était la fourchette d'âge, par exemple, que nous devions prendre en compte.
Donc, cela varie d'un pays à l'autre. Donc, je dirais que pour le sondage de dialogue à l'antenne, et pour leur participation, on demandait aux gens s'ils avaient, par exemple, moins de 30 ans. Si vous voyez comment la répartition, la ventilation a été faite pour les dialogues à l'antenne, vous aurez une idée de cette fragmentation en ce qui a trait à l'âge. Une autre question de Franck. Et je pense que cela s'adresse pour Andrea et Benjamin. Est-ce qu'il y avait une mention du besoin pour plus d'investissement dans le fait de recouvrir les cultures ou les variétés traditionnelles? Sarah, tu peux reprendre la question? Si okay. La question, je pense que, est-ce que vous avez eu, par exemple, des gens qui ont demandé à ce qu'il y ait plus d'investissement pour faire en sorte que les cultures traditionnelles ou les variétés traditionnelles, on ait plus d'investissement pour ces cultures-là, pour qu'on travaille plus à ramener les cultures traditionnelles. Jamais ayant été en contact avec les radios par l'intermédiaire des communautés, je vais le laisser répondre. OK. Merci beaucoup, Madame Bambara. Disons que la préoccupation fondamentale des communautés n'est pas de revenir aux semences traditionnelles, mais plutôt les semences améliorées qui ont fait leurs preuves, mais qui sont jusqu'ici méconnues de tous les agriculteurs et agricultrices. C'est très important pour eux parce que tel que c'est conçu, en fonction du sol, tu peux savoir quelle est la semence ou la spéculation qui peut te permettre d'avoir un bon rendement. Donc, c'est beaucoup plus à ce niveau qu'ils souhaitent avoir un accompagnement, soit pour mieux les connaître, mais également que ce soit des semences accessibles pour le plus grand nombre. Je pense que c'est ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Frank, would you be able to put in the chat if that helps to answer your question, or if you wanted some extra clarification for that? And then as we do that, we're going to move on to some other questions, and we can come back to it. Can I just add something, Christian? Sure. Kevin here. Yeah. As I mentioned earlier, we had the questions. Comme je l'ai mentionné. Donc. Pour les questions fermées, je pense que je crois que c'est le type de questions que nous n'avons pas beaucoup explorées. Mais je pense qu'il y aura d'autres questions de ce type-là qui seront explorées. Et je crois que, Benjamin, au regard des expériences que vous avez eues, vous pourrez nous orienter mieux pour les prochains dialogues à l'antenne. Their own response to a general question. There were over 9,000 voice messages left, and to be honest, we have. Il y a eu, je pense, plus de 9,000 réponses vocales qui ont été laissées. On n'a pas pu enregistrer. Procéder à la traduction de toutes ces réponses-là. Donc, je crois que s'il est possible, nous avons la possibilité à un moment donné de procéder à la traduction. Nous aurons plus d'informations de ces réponses-là qui ont été laissées. Merci beaucoup. Nous avons. Une question de l'auditoire. Et
Not sure who might like to step up to take that, but I'll put that out to our panelists. Maybe I can start with you, Charles, if you'd like to try to answer this one. And then Andrea and Benjamin, if you have some thoughts as well, then you can also weigh in. So the question again is, are there any challenges in using to reach rural communities and invite them to... La question était de savoir s'il y avait des défis à utiliser les radios. Je ne l'ai pas dans ma... J'essaie de trouver la question, en fait. Je m'excuse, je n'arrive pas à trouver la question, en fait. Donc, je pense que la question, c'est quelles stratégies sont mises en avant pour Radio Rural . Je m'excuse, hein, je n'ai pas la question. How do we support them based on the information together with our partners to be able to take actions on climate change adaptation using nature-based solutions is the next step of our programming process, which will involve different types of programming models like documentaries and the participatory radio campaigns. Okay. Wonderful. Thank you, Charles. Andrea and Benjamin, do you have anything that... Donc, en fait... ...or add to what Charles had shared? Je m'excuse, je n'avais pas la question, donc je n'ai pas pu vous la poser. Anna vient de m'envoyer la question, mais je n'ai pas accès. Question? Yes. Hello, question. Maybe I'll move on to a different question then. And just for your reference, Sarah, all the questions are at the bottom of the document of the run of show. Another question. Others have asked if we can make the survey results available. I believe that we'll be able to do that. I'll clarify, but I don't see why not. Another question can go to Charles. Somebody whose name came up as speaker said it would be interesting to hear more about the trade-offs identified in NBS in the state of play studies. In particular, which communities / groups may lose out if biological materials... Yes, Sarah. Oh, that's... quelqu'un dans la question, dans la salle a demandé... S'il serait intéressant d'en savoir plus sur des éléments qui ont été identifiés dans le cadre des analyses situationnelles, en particulier par rapport à ce que pourraient perdre les communautés ou dans l'utilisation des matériaux biologiques plutôt que dans l'application des traditionnels. Pour ce qui est des systèmes communautaires, nous pourrions suggérer rapidement que les femmes pourraient subir des préjugés dans un domaine ou l'autre. Cela pourrait les amener à consacrer plus de temps à ce qui a trait à l'application des solutions fondées sur la nature.
Donc, par exemple, si nous prenons une solution donnée, si les femmes doivent l'utiliser, peut-être que peut demander plus de temps aux femmes. Par exemple, au Burkina Faso, pour l'utilisation des cendres, l'application des cendres, cela nécessite que les femmes consacrent plus de temps alors qu'elles doivent passer du temps pour les tâches ménagères ou d'autres choses. Donc, si nous prenons cette solution, peut-être que cela n'est pas une solution convenable pour les femmes au regard de tout ce que cela pourrait nécessiter de leur part. Donc, pour les solutions fondées sur la nature qui sont utilisées dans les différentes communautés, il faut tenir compte des différents facteurs, par exemple le temps, la main-d'œuvre, les ressources qui sont nécessaires. Donc, les différents facteurs doivent être pris en compte. Donc, peut-être que nous allons prendre une ou deux autres questions avant de clore le webinaire. Donc, Frances pose la question de savoir, donc, qu'est-ce que vous allez faire avec le résultat du sondage réalisé au Canada? Donc, je pense que tout cela pourra nous aider à voir comment nous allons produire les podcasts que nous allons réaliser dans le cadre du projet. Également, pour renseigner les dialogues à l'antenne, et ces résultats-là que nous avons pu recueillir dans le cadre du sondage réalisé au Canada vont renseigner et également nous aider à voir comment sensibiliser mieux le public canadien par rapport aux solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a une dernière question. Je pense qu'il y a une dernière question de la part de Linda qui aimerait savoir s'il y a des informations par rapport aux femmes d'un certain âge qui continuent de cultiver tout de même. Peut-être que il y a au niveau des dialogues à l'antenne, si il y a des personnes, des femmes par exemple qui ont plus de 30 ans, je ne sais pas s'il y a des réponses qui ont pu être recueillies à ce niveau pour voir quelles sont les différences. Est-ce que les réponses diffèrent par rapport à ce groupe d'âge-là? Donc, il faudrait voir quelles sont les préoccupations de ce groupe d'âge-là. Je crois qu'il y a des domaines en fonction du groupe d'âge de ces femmes-là qui avaient plus de 30 ans, peut-être par rapport à la disponibilité des ressources en eau. Je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait voir certaines différences. Merci pour cet ajout, Kevin. Donc, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, je vais passer la parole à Kevin pour clore le webinaire. Et si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions, vous pouvez les mentionner dans la fenêtre de discussion. Merci à Christian, merci à tout un chacun de vous pour vos questions. Et merci d'avoir facilité cette présentation. Et toutes ces questions, ces commentaires m'amènent à approfondir mes réflexions. Et je pense que cela va nous permettre d'avancer dans notre recherche et nos réflexions, et également avec les partenaires qui sont impliqués dans ce travail. Et je vais donc vous remercier.
Et je voudrais remercier Madame d'Affaires Mondiales Canada, la représentante d'Affaires Mondiales Canada. Merci à Benjamin Andrea pour votre présentation. Merci pour la traduction. Et merci à l'appui de la représentante du Affaires Mondiales Canada, Carré. Merci à tout un chacun de vous pour votre participation et pour ce que nous aurons à faire dans le futur. Merci infiniment pour d'avoir été là aujourd'hui.